là là. Il serait temps d'y aller. Ouais. C'est Simba. Qu'est-ce qu'il fait tout seul? Ouais. Mais fichons le temps. Tu es encore si jeune, tellement jeune. Mais un jour prochain, tu sauras affronter ce grand destin qui est le tien. Simba, tu deviendras un très grand roi, sage et généreux. Qui es-tu? Où es-tu? Je suis ta conscience, je suis ton guide. C'est la première fois que je te parle, car c'est la première fois que tu médites. Détends-toi, apprends à te connaître. Tu as le don de clairvoyance. Tu peux donc voir ton passé et ton avenir. Libère-toi du poids de ton corps. Et avec l'aide de la grande ours, tu réussiras à voler dans le temps et dans l'espace par la pensée. Quand tu auras atteint ce degré de sagesse, tu pourras t'asseoir sur le trône du roi des rois. Pardonne-moi, roi des rois. Qui es-tu? Kirdi, c'est Shere Khan qui m'envoie. Tu as un message? Oui, je suis venu pour te donner un message. Vas-y, parle. Oui, oui, le tigre m'a envoyé ici pour te dire... Parle. Oh. Que veut le tigre? Oui, oui, le tigre. Il voudrait te rencontrer aujourd'hui sur le grand rocher, celui qui est au pied de la montagne. Il désire t'entretenir sur la division du territoire. Il dit qu'il a une bonne proposition à te faire. Ah. Mon royaume n'est pas divisible, mais je le rencontrerai. Le dialogue est toujours important. Tu peux retourner auprès de ton maître et lui dire que j'y serai. Oh, majesté, j'y cours, majesté. Tout de suite, je vais le lui dire. Parfait. Je vous ferai regretter ça. Grand maître, j'ai mené à bien ma mission. Le lion a cru à mon histoire. Il a tout avalé, même la division du territoire. Je le savais que tu réussirais, car ce lion est un naïf. Qu'est-ce qu'on fait? Rien, j'ai vu des chasseurs juste sous le grand rocher. Là où je lui ai donné rendez-vous, mais il se trouvera à découvert sur ce rocher. Oui, et j'espère que les chasseurs me débarrasseront de lui pour de bon. Oh oui, les hommes vont faire ça. Tu penses qu'à ton estomac. Je compte sur toi pour les aider dans leur chasse. Tu entends? Tends l'oreille et ouvre les yeux. Quand je régnerai, tout sera à moi. 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 Tout sera à moi.
sera à moi. Génial, maître, génial. Il faut vite que j'aille prévenir papa. À moi, tout sera à moi. Et tout sera à moi. Simba! Simba! Tu devras punir les coupables de cette trahison. Ensuite, tu retourneras dans la savane et tu établiras ton règne sous le signe de la justice. Simba, tu dois punir les coupables de cette trahison. Cette bataille sera importante pour la conquête de ton trône. Tous tes amis te soutiendront. Ce sera une bataille décisive. Regarde! Les voilà, ils arrivent. Nous les attaquons, ouais. Chef. Je me demande... Tu es contre cette décision, hein? Non, non. Réveillez-vous. Cessez de ricaner. En place pour la bataille. Garde à vous. En avant! Réduisez-les en bouillie! En avant, les châtels! On les a vus, ils arrivent! Ah, je vais donner l'ordre. En avant! Oh,
Continuez! Ils sont fatigués et ils sont blessés. Ils ont l'impression d'avoir perdu la bataille. Qu'ils s'enlèvent ça de la tête! Je veux être le roi des rois! Dis-leur de continuer de se battre! Debout! Debout! Continuez la bataille! Ce n'est pas fini! Shere Khan veut être le roi des rois! Allez, paresseux! Allez, vous battre! Va-t'en, viens! Nous sommes vainqueurs. Vas-y, suis bien le plan. Simba. Je ne vais pas bien du tout. Je crains que tes frères et toi deviez vous passer de maman. Votre père s'occupera de vous. Soyez gentil avec lui. Venge-moi, Simba. Le coupable, c'est le tigre. Oh. Vas-y, Simba. Oui. Ah.
Tu me suis? Simba, je suis tellement heureuse quand je suis auprès de toi. C'est vrai. Je suis le plus heureux des lions. Simba, mon fils, il te faudra beaucoup de courage et de patience, car ce n'est qu'après plusieurs luttes que tu pourras reprendre le trône de tes ancêtres. Oh, mais... Père! Oui, le trône qui te revient de droit m'appartenait, et avant moi, il était à mon père. Explique-moi, j'ai d'abord vu une bataille et maintenant je te vois. Mon fils, tu as la chance d'être protégé par les dieux qui t'ont octroyé le merveilleux don de clairvoyance. Utilise-le toujours à bon escient. C'est un grand avantage, mais c'est aussi une grande responsabilité. Père, que dois-je faire exactement? Quel est mon devoir? Tu dois monter sur le trône du roi des rois. Et pour y arriver, tu dois d'abord détruire le tigre et toutes les forces du mal. Ainsi, tu vengeras la mort de ta mère et la mienne, et nous aurons enfin le repos éternel. Oh. Père! Je la lance! Oui, j'attends! Oh, arrête! Lance-la, Simba! Allez! Voilà! Ah,
sais pas ce qu'il a, mais depuis quelque temps, il a l'air absent. Ah. Laisse-le, il réfléchit. Allez, on joue. Oui. Simba réfléchit beaucoup car il est devenu adulte et il prend conscience du destin qui est le sien. Dans son cœur, il caresse l'idée de partir pour la savane, mais avant, il doit conquérir son trône et pour cela, il doit affronter Shere Khan, l'assassin de ses parents. Tous ses soucis lui donnent à réfléchir, mais il va bientôt nous faire vivre de nouvelles aventures. Ne manquez pas notre prochain épisode. Vive le soleil, vive la lune, vive la pluie, vive la brume, vive la vie, nous dix ensemble, vive la jungle et notre bande, tous les copains vivent ici, on se surprend, on se fait peur, on sourit, on fait la course, on se faufile partout et la nuit nous endort, quelle est belle la vie, comme la jungle est jolie, elle est notre mère, c'est une autre maman, un porc est notre papa, Simba et Pimo, tous nos amis sont là. Nous avons un docteur, un canari chanteur, un corbeau directeur, un crocodile nageur. À la balle joue le chien, il joue vraiment bien. Le serpent se faufile et les singes sautillent. Nos souris qui marchent, on dirait des stars. Le tigre les observe, les protège, il oublie sa colère de ne plus être roi.